Vous allez être comme dans un cocon familial, plein d'amour et de bienveillance. Don't you remember anything? How it was? So wait a minute. There's an elite crew with all the best spider people in it? Who's the new guy? This is unbelievable. Des souvenirs d'enfance à Madagascar post-colonial, une plongée dans l'univers de David Lynch et l'homme araignée en version animée. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma avec Thomas Borrez. Bonjour Thomas. Bonjour Axel, bonjour Romain Campillo. Bonjour Romain Campillo. Vous êtes le réalisateur de L'Île Rouge. Merci beaucoup de prendre le temps de passer par nos studios le jour de la sortie de votre film. 6 ans après 120 battements par minute, L'Île Rouge nous plonge dans les années 70 à Madagascar et explore le quotidien de plusieurs familles sur une base de l'armée française. Avant d'en parler avec vous, Thomas va faire les présentations. Voilà, Robin Campillo, scénariste, monteur et réalisateur, copain, complice de la première heure du cinéaste Laurent Canté, hein, palmé en 2008 pour Entre les murs. Alors L'Île Rouge, c'est votre quatrième long métrage. On avait vu Les Revenants, Hirston Boys, d'ailleurs on vous avait reçu ici en plateau, c'était en 2014, et bien sûr 120 battements par minute dont on vient de parler, récompensé au Festival de Cannes et au César, c'était en 2017. Alors L'Île Rouge, c'est une plongée au forts élans autobiographiques, on va le voir jusqu'à quel point avec vous dans un instant, et on suit l'itinéraire de Thomas, alors c'est pas moi. C'est un jeune garçon français. Nous sommes dans les années 70, vous l'avez dit. Sa famille vit sur la base militaire française de Madagascar. Regardez, on en parle après. Tu te maquilles trop. Pour qui tu te maquilles comme ça? Arrête un peu. Moi, j'aime bien vous regarder. Je sais, t'as toujours l'œil qui traîne. Tu me regardes dans des moments où on se croit seul, ou alors dans des moments où on n'a pas envie d'être regardé. Je pensais pas qu'il oserait venir avec elle. L'Île Rouge, Robin Campillo, quel est le point de départ de ce film ? En fait, le point de départ, c'est des souvenirs effectivement d'enfance, des choses qui m'étaient restées de cette période, dont j'ai curieusement pas vraiment la nostalgie, mais qui étaient restées comme un mystère pour moi. C'est un peu, j'y ai vécu que 2 ans, mais c'était resté comme mon pays d'enfance. Et en fait, c'était des espèces d'images, de choses très contradictoires, etc. Et je me suis dit, d'un seul coup, que je voulais faire un film un peu sur cette illusion coloniale, cette espèce de paradis artificiel dans lequel on vivait, et aussi sur, d'un seul coup, de déchirer ce rêve, ce faux rêve colonial, pour en voir un peu les coulisses, c'est-à-dire la colonisation, enfin, ou en tout cas la post-colonisation, qui restait quand même très très forte. Quoi. Oui, et vous revendiquez la fiction. L'Île Rouge a été tournée sur la base militaire, là où vous avez passé cette enfance, bout d'enfance, et pourtant vous affirmez que le film relève du pur imaginaire. Où est-ce que se situe la frontière entre votre intime, le réel, et puis l'imaginaire ? Je pense que c'est marrant, je repensais au Satyricon de Fellini, où Fellini disait le Satyricon, enfin la Rome antique, je ne sais pas si ça existait, mais on l'a beaucoup rêvé. Et moi, cette enfance, je ne sais pas si vraiment elle a existé, mais je l'ai beaucoup rêvé. Donc en fait, ce que je traduis, c'est en fait la logique de rêve de mes souvenirs, et surtout je les reconstruis parce que j'essaie de rechercher dans ce rêve quelle était l'inquiétude, quelle était la fébrilité que je sentais chez les gens autour de moi et qui empêchait le paradis d'être total, quoi. Et donc c'est ça ma quête, ou mon enquête, c'est ça, à travers des choses très sensorielles, des bribes de souvenirs et de voix que j'entendais, etc. Donc j'ai construit à partir de là. Ouais, et on le voit dans le film, les personnages vivent, c'est sciemment, dans une bulle, hein, ils sont presque protégés. Ils vivent, et là c'est noté aussi dans le dossier de presse, les dernières illusions du colonialisme. En quoi il était important de faire un film comme ça, de raconter cette histoire aujourd'hui ? Parce que, alors, d'une part, c'est vrai qu'il y avait cette idée que la colonisation de Madagascar est vraiment assez oubliée et elle est restée assez méconnue, alors qu'en 1947, il y a eu aussi des massacres, que ça a été quand même assez violent. Et c'est surtout, pour moi, ce qui m'a intéressé, c'est de raconter comment le colonialisme a survécu à lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, en 1960, Madagascar avait déjà son indépendance, mais en réalité, elle était sous influence. C'est ce qu'on appelle le post-colonialisme. Et pour moi, c'est un peu le chaînon manquant
entre le pur colonialisme et la France-Afrique, ou ces trucs-là. Et nous, on vivait, en fait, avec à la fois la bonne conscience qu'au fond, c'est un pays que les Malagasies partageaient avec nous. Alors, évidemment, on était imposés, on était un peu comme des parasites là-bas. Et donc, j'avais envie de parler de ce faux-semblant, quoi, de cette illusion qui était très forte et qui a duré, effectivement, 12 ans. Et voilà quoi. Et cette distance, elle est rendue encore plus, en tout cas ce rêve, ce fantasme, puisque le film est vu à travers la position d'un enfant sur ce monde fascinant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs régimes de narration dans votre film, et notamment des incursions fantastiques et fantasmées avec ce personnage de Fantomette. Comment le voir, justement, cette espèce de, ces incursions, presque de l'animation, alors que ce n'est pas du tout de l'animation, au contraire. Alors, pour Thomas, le Fantomette, un peu comme pour moi à l'époque, ses lectures, ça le ramène à la France. Mais une France totalement fantasmée, une France de romans pour enfants. Et en fait, c'est l'exotisme, pour lui, c'est la France. Donc voilà, moi, quand j'ai essayé de refaire ces scènes-là, je l'ai fait sur des maquettes, parce qu'on ne peut pas reconstituer cette France qui n'a sans doute jamais vraiment existé. C'est encore une France encore de pur fantasme. Et en même temps, pour le personnage, il se projette dans une héroïne, dans un personnage féminin, parce qu'au fond, ça le rapproche à la fois de sa mère et à la fois, ça le fait résister un peu à l'univers très masculin et très viril de cette base militaire. Donc, c'est aussi cette chose-là. Et c'est aussi ce personnage de Fantomette et son costume qui lui permet de passer vers la fin du film de l'autre côté pour aller voir les coulisses de cette féerie post-coloniale que les adultes lui proposent. Pour moi, les adultes surjouent ce bonheur, en fait. Ils sentent qu'il y a un surjeu, qu'il y a une chose très artificielle dans ce bonheur-là. Oui, et puis il y a un monde, encore une fois, à distance, parce que la population malgache, en tout cas dans une grande partie du film, est quasiment absente, en tout cas elle évolue en périphérie du film. C'est bien de mettre cette photo-là, puisqu'on voit que la jonction va se faire avec ce personnage de militaire français et cette jeune fille. Finalement, avant de prendre finalement la parole à la fin du film, justement, qu'exprime ce sursaut final ? Disons qu'en fait, pour moi, pendant tout le film, il fallait faire vivre la cruauté quand même du post-colonialisme, c'est-à-dire justement l'invisibilisation aussi des Malagasies. C'est un film assez cruel là-dessus. Et comment des personnes qui semblent être des figurants reprennent la place qu'ils doivent avoir sur leur propre territoire. Et ça se passe effectivement à travers ce personnage de Myangal, qui est une personne très importante, parce qu'en fait, c'est une jeune femme. C'est un peu un fantasme aussi d'un jeune militaire français qui tombe amoureux d'une jeune... C'est aussi un fantasme colonial, ce truc-là. Mais on s'aperçoit peu à peu que, d'une part, le jeune militaire français a une forme de... des désirs de possession par rapport à cette jeune femme, et que si cette jeune femme résiste à ça, et qu'elle a aussi une clairvoyance, une lucidité sur ce que c'est cette histoire d'amour et cette relation avec les Vasas, les Français, comme on disait à l'époque. Et c'est elle qui, par relais, nous emmène à cette révolution de 72 qui éclate à ce moment-là dans des milieux très jeunes, des étudiants, des lycéens, etc. Et pour moi, c'est elle qui nous emmène à ça. Et à la fin, pour moi, il y a effectivement du politique qui surgit, et du politique, vraiment des discours qui font un peu le procès-verbal de l'ensemble du film, quoi, presque. Beaucoup de choses à dire sur l'île rouge. Robin Campillo, on va changer complètement d'univers avec une double actualité autour du cinéaste David Lynch. La ressortie en version restaurée de son dernier long-métrage en date, Inland Empire, et un documentaire Lynch Oz d'Alexandre O. Philippe sur la passion du cinéaste pour le magicien d'Oz et la façon dont elle rejaillit dans son œuvre. On regarde. David has gone over the rainbow from the very first film ever. He lives in a different reality than you or I do, and that's quite obvious. Why would Lynch be that absorbed with The Wizard of Oz? Did he watch The Wizard of Oz on a perfect day, at the perfect time as a child, and it sort of baked into his subconscious? Et
une bande-annonce aussi mystérieuse que Lynch, donc on le voit, plein de questions et forcément beaucoup de réponses dans ce documentaire. C'est le film est d'ailleurs divisé en chapitres et laisse la parole à différents adorateurs du cinéaste. Et on reconnaît notamment le sémillant et toujours très drôle John Waters, pardon, le cinéaste de Baltimore, qui est forcément passionné et passionnant sur l'auteur de Blue Velvet et de Mulholland Drive. Alors, Le Magicien d'Oz, est-ce qu'on présente encore ce film? C'est un chef-d'œuvre du cinéma hollywoodien, signé par Victor Fleming en 1939. On a tous vu, enfants et même adultes, Le Magicien d'Oz, qui peut un peu s'envisager, on va dire, comme une relecture de Alice au Pays des Merveilles, le basculement donc vers un monde secret et fantastique. Et on voit très bien les ponts qui peuvent exister avec le monde de David Lynch. Donc voilà, ce documentaire est une traversée donc, entre ces deux mondes. Alors c'est évidemment un jeu de piste, c'est évidemment pour les adorateurs du cinéma de David Lynch. Je ne sais pas si c'est votre cas d'ailleurs, Romain Campillo. Oui, vraiment. Moi, j'ai aimé ça sur le tard parce que j'étais passé même à côté de la série Mulholland Drive. Et c'est quand j'ai vu le film pour le cinéma, la série, je sais plus. Oui, Twin Peaks. Twin Peaks. Et quand j'ai vu le film Twin Peaks au cinéma, d'un seul coup, le cinéma de Lynch m'a impressionné à un point. J'ai aimé tous les films qui suivent après. Voilà, le documentaire, c'est ça. Mais il permet justement, même, je disais pour les fans, mais même ceux qui ne connaissent pas, vraiment de rencontrer d'une certaine manière le cinéma de Lynch. Et à noter aussi que, conjointement à ce documentaire, il a ressorti de Inland Empire, qui est le dernier long-métrage en date de David Lynch. Ça date quand même. Voilà, on retrouve Laura Dern, qui est un peu comme la Dorothy du Magicien d'Oz, justement. Alors, on change encore complètement de décor avec la saga Spider-Man en animation. 5 ans après Spider-Man New Generation, voici Spider-Man Across the Spider-Verse. Voilà, vous avez tout dit. Le précédent avait cartonné au point de recevoir un Oscar du meilleur film d'animation. C'est vraiment une réussite artistique, vraiment. Donc là, Sony forcément a décidé de remettre le couvert. Il se targue de présenter 6 dimensions différentes et 240 personnages. Très bien, merci beaucoup Thomas Vorez et merci beaucoup Robin Campillo d'être venu nous parler de L'Île Rouge. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à ceux qui l'ont rendu possible. On se quitte avec des images du nouveau Spider-Man en animation par Sony. À très bientôt. Can't stop me now. You can't run forever, kid. I can't lose one more friend. Miguel, this isn't what we talked about. You knew? I had no idea what you're doing. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'm gonna do my own thing. All stations, stop Spider-Man. You know what I mean? Apprenez le français avec l'actualité internationale sur notre nouveau site. À l'écoute des RFI en direct de Paris, il est 17h, 16h, temps universel, l'heure de votre journal en français facile. Bonjour à toutes et à tous, au sommaire de cette édition, pour la défense du climat. Retrouvez le journal en français facile avec son nouvel outil de lecture simultanée de la transcription et accédez plus facilement aux exercices adaptés à vos besoins. Accessible gratuitement sur françaisfacile.rfi.fr.